Salut à tous, c'est Eric Lagos de chez Galago. Aujourd'hui pour vous, première vidéo d'une série de tutoriels qui va traiter du style Boogie Woogie. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un répertoire qui est né aux États-Unis dans les années 1920. Il a été développé spécialement pour les pianistes en mode solo, avec une main gauche extrêmement puissante, qui va rappeler un petit peu le bruit des roues d'un wagon sur un rail, puisqu'il était souvent joué, notamment dans les trains, également dans les bars et la house, tout ça. Alors au niveau des figures tutélaires, on a bien entendu Albert Ammons, Midnux Lewis, Clarence Pinetop Smith ou encore Coco Davenport, il y en aura encore plein d'autres. Je vous ai mis dans la boîte de description une petite sélection de morceaux que j'aime bien, comme ça vous pourrez vous familiariser un petit peu au style et tout ça. Alors cette première vidéo va durer un tout petit peu plus longtemps que les autres, puisque je vais beaucoup m'attacher justement à la main gauche, de manière à ce que ce soit bien calé, que vous l'ayez bien dans les doigts. Au bout d'un moment, il faudra plus du tout y penser. Ah, comme ça, la main droite, elle aura libre champ pour justement improviser, tout ça, tout ça. Et donc une fois que vous aurez bien installé la rythmique, la grille de 12 mesures et tout ça, et ben on pourra ajouter des éléments qui vont servir de Lego. Et des petites pièces de construction comme ça qui seront interchangeables, c'est ça que j'aime bien dans ce style aussi. Donc dans chacune des prochaines vidéos, en gros, il y aura un plan ou deux peut-être, et ça vous permettra d'enrichir comme ça, à l'envi et à l'infini, votre interprétation. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, on va s'y mettre. Si vous voulez, vous pouvez télécharger dès maintenant le PDF récapitulatif. Pareil, c'est dans la boîte de description. Quand je fais ça, c'est que c'est dans la boîte de description. Ça vous servira peut-être de support afin de mieux suivre ce que je vais vous raconter. Donc voilà, j'arrête de causer, c'est parti, tous à vos claviers. Alors pour garder les bonnes habitudes, je vous ai dessiné ici un petit point coloré afin de vous désigner où se trouve le dos du milieu, ok. Et on va tout de suite commencer par bosser la main gauche, parce que dans le boogie c'est le moteur, et il faut impérativement le bosser religieusement. Alors il existe énormément de lignes de basse différentes, je vous en ai choisi une que j'aime bien, et le motif de 8 croches donne ceci. Voilà, ça c'est une mesure. Alors comment je fais? Alors repérez qu'on est quand même bien à la cave, hein, le do du milieu est ici, c'est donc une octave en dessous et une deuxième octave en dessous. Ok, au niveau des notes, on va avoir do, do avec petit doigt, mi bémol avec 3, mi bécard avec le 2, sol. Déjà ça, do, do, mi bémol, mi bécard, sol. Ok, pour l'instant je ne fais pas de rythme, hein. Toutes les notes jouées de manière égale. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite je vais rejouer sol mais avec l'index. Parce qu'après, je vais faire La et Sol pour terminer la mesure. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça redémarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Maintenant, rythmiquement, on ne va pas faire des croches binaires, on va faire des croches dites ternaires ou shuffle. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir, imaginons que ça, ce soit la noire, les croches binaires donneraient 1 et 2. 3 et 4, et ce qui est très bien quand on veut jouer du rock, par exemple. Hein. En boogie, en blues, en jazz, très souvent, la plupart du temps, les croches sont jouées de manière un petit peu chaloupée, c'est-à-dire que la première du groupe de deux est plus longue que la suivante, ce qui va donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Si je rentre dans le détail, c'est comme si chaque temps était divisé par 3, c'est pour ça qu'on les appelle croches ternaires, et que la première des deux croches durait les deux tiers du temps. Comment? Ça se découvrait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça ferait comme un triolet irrégulier. Dans les partoches, très souvent, vous le trouvez indiqué de cette façon. Hein, deux croches égale triolet irrégulier. Comme ça, vous savez que ça doit se jouer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, vous pouvez compter jusqu'à 3 si jamais ça vous aide. Au bout d'un moment, essayez de vous habituer à plutôt faire 1 et 2 et 3. Donc une mesure de Do, qu'on appelle en langage international C, donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et génial, on a fait un tiers du job. Le second tiers, ça va être de faire la même chose, en fait, de le transposer en Fa. Donc on va se déplacer sur le Fa, donc une carte juste au-dessus, et on va reproduire exactement le même schéma, on va garder les mêmes intervalles. Ça va donner Fa, Fa, La bémol, La bécard, Do, Do, Ré. Do, bravo, vous savez faire votre mesure en Fa. Fa, Fa, La bémol, La, Do, Do, Ré, Do, Fa, Fa, La bémol, La, Do, Do, Ré, Do. Ok. Et le dernier tiers, c'est en Sol. Donc c'est juste à côté. Là, on avait commencé en Fa. Tic, on se décale une touche à droite. Et on fait la même chose. 1 et 2 et 3 et 4 et...
Ok, donc le premier exercice, ça va être de jouer ces trois mesures d'affilée. 1 et 2 et 3 et 4 et Fa. Et 2 et 3 et 4 et Sol. Et 2 et 3. Et vous revenez en Do. Attention, là, il y a un grand écart. Donc, ce qui compte, c'est bien de savoir effectivement chaque mesure en séparé, mais c'est surtout mieux d'apprendre à les enchaîner. Donc vous pouvez bosser indifféremment de Do vers Fa, ou de Do vers Sol, de Sol vers Fa, de Fa vers Do, tout ça. Tous les cas de figure sont bons pour bosser. Après, il y aura juste besoin de les mettre dans le bon ordre. Je vais vous filer le plan, dans une petite minute. Je vous fais juste la démo avec un métronome. Donc là, je vais mettre le tempo sur 80 BPM, beats per minute. Donc chaque pulsation correspond à une noire. Donc il faudra que je rentre deux croches dans chaque temps. Ça va donner ceci, 3, 4. 1, 2, 3, 4, en Do. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 1, 2, 3, je passe en Fa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, en Sol. 1, 2, 3 et 4. En Fa, j'en vis. Je reviens en Sol, parce que ça me fait plaisir. Et j'en reviens en Do. Ok, donc vous le bossez vraiment comme ça, en boucle. Avec métronome, c'est très important, parce qu'il ne faut absolument pas que ça ralentisse ou que ça accélère. Hein. Voilà, bah avec ça, vous savez quasiment tout faire pour cet épisode numéro 1. Maintenant, on le place sur une grille qui sera quasi immuable. Alors évidemment, il y a toujours des variations possibles, mais aujourd'hui, je vous propose celle-ci. On la trouve dans des morceaux du type Death Ray Boogie, Down a Road of Peace, tout ça, il y en a plein. Parce que pour les connaisseurs, oui, effectivement, très souvent sur la 12e mesure, on trouverait l'accord de Sol, un 5e degré. Là, je vous ai volontairement utilisé cette grille qui permet de rester tranquille. Alors, on va la suivre ensemble. Ça donne ça. 4 mesures de Do pour commencer. 1, 3. 2e mesure de Do. 3e mesure de Do. 4e mesure Do, ensuite en Fa, 2e mesure en Fa, on revient en Do, clac, voilà le Sol, Sol, et puis le Fa, puis le Do. Et si on recommençait le début de la grille, on retomberait encore 4 fois sur la mesure de Do majeur. Ça peut paraître long quand on le joue comme ça, mais il faut savoir que le boogie, ça se joue à tout berzingue, hein, donc du coup, ça passe très vite. Voilà. Donc évidemment, ça paraît moins laborieux quand le tempo est un petit peu augmenté. Il n'empêche qu'il faut travailler étape par étape. Tout à l'heure, j'ai mis à 80 à la noire. N'hésitez pas à le mettre à 70, hein, si nécessaire. Bon, peut-être pas en dessous, parce qu'après, on n'y arrive plus. On a du mal à ressentir la pulsation et tout ça. Et quand vous êtes bon à 70, 80, bah, vous grimpez 85, 90. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la démo début, j'ai joué à 170 à la noire. Ouais, je sais, c'est très rapide. Mais il fallait bien que je vous donne aussi du grain à moudre. Hein. À la main droite, maintenant. Alors, on va avoir pareil, 3 degrés qui sont utilisés, l'accord de Do, un accord de Fa, un accord de Sol. L'accord de Do, je vous propose, de le jouer de cette façon. Mi, Sol, La, Do. Vous voyez, je suis juste une tierce au-dessus du Do du milieu. Tic, je mets le pouce là. Mi, Sol, La, Do. Et qu'est ? Il s'agit en fait d'un Do sixième, en fait, un Do, Mi, Sol, c'est Do majeur. Avec la sixte. Je le renverse. Mi, Sol, La, Do. Bref. Et on va placer cet accord-là exactement... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc je joue sur le premier temps, je plaque l'accord, je le pique et je le rejoue sur le et du 2. Si j'avais pas de main gauche, uniquement la pulsation du métronome, ça donnerait ça. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3. Donc le « et », ce qu'on appelle un contretemps, c'est ce qu'on veut faire entendre sur la deuxième attaque. Donc ça tombe entre deux clics de métronome. On peut le compter de manière beaucoup plus simple quand il y a la main gauche. Si on compte toutes les croches, on a dit qu'il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On jouera sur la première et la quatrième de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde,
merde, j'en ai rajouté un de trop. Quand vous commencez à être bon en Do, eh ben c'est très bien, on va reproduire exactement le même schéma comme on avait dit à la main gauche, mais en Fa, de cette façon. À la main droite, je vous propose de faire un accord qui va ressembler très très fort à celui-ci, où vous allez rentrer la main dans les touches, puisque le pouce va appuyer sur Mi bémol. Les autres notes, Sol, La, Do, restent pareilles que sur l'accord d'avant. Là, il s'agit en fait d'un accord de Fa7 9. On a la septième qui est là, ça c'est Fa majeur, okay. La septième, la neuvième ce serait le Sol. Donc je choisis de faire un renversement, Mi bémol, Sol, La, Do. Pourquoi ce renversement? Bah parce que c'est tout près de l'accord d'avant, c'est toujours ce qu'on cherche, hein, le plus court chemin. Donc du coup, cet accord-là, vous le placez rythmiquement pareil que précédemment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait une mesure de Do, une mesure de Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je refais. Voilà, vous pouvez tout à fait faire tourner que deux accords, hein, l'un après l'autre. Vraiment, pour l'instant, peu importe. L'ordre de la grille que je vous ai filée tout à l'heure, c'est pas du tout un problème une fois que vous avez bien vos changements. Le troisième accord, ce sera un accord de Sol que je vous propose de faire comme ça. Fa, La, Si, Ré. Il s'agit là aussi d'un accord 7-9. J'ai ôté le Sol, parce qu'en fait la main gauche le fait, mais l'accord entier, pour les connaisseurs, hein, pareil, mais je vous dis qu'il y a des puristes, c'est Sol, Si, Ré, Si, Sol majeur, ok. La septième, c'est le Fa. La neuvième, c'est le La. Donc je le renverse, je mets le Fa au pouce, le La, c'était la neuvième, la tierce, la quinte, et à la main gauche, position de Sol, 1 et 2. Pour bien le bosser, ça vous pouvez le faire que la main droite. Je remets le métronome et c'est parti. Une mesure de chaque. Une mesure en Do, une mesure en Fa, une mesure en Sol. 4, merde. 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Le Fa. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Je reviens en Do. 1, 2 et 3, 4. Et 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3 avec les deux mains. Et 2, et 3, et 4, et Fa, et 2, et 3, et 4, et Sol, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà. Il nous reste juste à le voir une fois sur la grille complète. Là, on va bien suivre le GPS hein, qui est indiqué juste là-haut. Et ça va donner ça. Si, c'est parti. Je remets à 80 la noire parce que ça fait pas de mal de bosser avec un métronome. 1, 2, 3, 4. Voilà, et progressivement, comme je vous le disais, vous pouvez augmenter la vitesse. Là, par exemple, je me mets sur 90, donc c'est un chouï plus rapide, mais quand même, 3, 2, 3, 4. Je me place sur 100, 2, 3, 4. Etc. jusqu'à arriver, si vous arrivez à 170, ma foi, tant mieux, mais ce qui compte, c'est pas la vitesse, hein. On fait pas un concours de virtuosité, ce qui compte, c'est que ce soit bien carré, que ce soit énergique, et que vous vous fatiguez pas les doigts quand vous le faites. Alors ça, c'est l'ultime conseil, après je vous laisse hein, reprendre une activité normale. Essayez de conserver votre poignet plus ou moins souple. Les doigts sont très très costauds, j'essaie de bien me mettre. Les doigts sont costauds, mais le poignet reste vraiment comme ça, parce que sinon, vous allez tétaniser tout le bras, ah, c'est horrible, assez rapidement, vous allez avoir des crampes et tout ça. Donc, utilisez Le petit coup du poignet, là, comme ça. Le petit coup du poignet, ça ne veut rien dire s'il dit comme ça. C'est que, pas hésiter à soulever de temps en temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai un petit accent, un petit appel, comme ça. Voilà, et tout ça, ça reste
mobile. Il ne s'agit pas de bouger dans tous les sens, bien entendu. Mais il ne faut surtout pas raidir. Si vous êtes comme ça, avec le bras déjà tout raide, laissez tomber. Au bout de 2 minutes, vous n'allez pas aller beaucoup plus loin que ça. Ben voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit partage auprès de vos amis et ou surtout des commentaires afin de me donner vos impressions. Et comme je vous disais au début de vidéo, le boogie est issu du blues. Donc si vous voulez vous intéresser à la question du blues, j'avais posté, je crois, 2 vidéos sur le style sur YouTube. Vous pouvez les consulter. Je vous mets le premier lien ici ou là, peut-être, je sais jamais où ça doit apparaître. Et autrement, sur mon site, il y a 2 packs payants spécialement dédiés au blues. Si vous prenez l'option de prendre les 2 volumes, un tarif préférentiel, bien entendu, vous aurez 2h30 de vidéo. Ce qui est pas mal quand même, ainsi que 2 PDF récapitulatifs avec toutes les infos données dans la vidéo. Voilà. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site directement et de consulter les bandes annonces. Vous verrez si ça vous plaît. Plein de bonnes choses à vous et à bientôt. Ciao.